Bonjour à toutes et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo, ça sera un haul Action, puisque je me suis rendue à Action deux fois cette semaine. Donc je voulais vous montrer les petits bons plans que j'ai pu faire chez Action, en sachant que chez Action, ce n'est pas cher du tout. Et il y avait les promos de la semaine, donc je voulais la tourner la plus rapidement possible, afin que vous puissiez retrouver ces produits encore dans les magasins. Donc on commence tout d'abord par le bon plan. C'était, il y avait une brosse soufflante comme celle-ci de la marque L. Donc elle est comme ceci. Donc elle est assez imposante. Voilà, vous avez deux vitesses. Et puis ici vous avez un petit bouton pour envoyer de l'air frais. Donc vous voyez, par rapport à ma tête, elle est quand même assez grosse. Donc moi je l'ai utilisé déjà deux fois et franchement rien à dire. Hein. Leur choix est très bien. Il y a les deux vitesses, donc ça c'est très bien aussi. Et pour 9,99€, je trouve pas ça cher du tout. En sachant qu'elle est garantie 2 ans. Donc c'est pas mal. Ensuite, j'ai pris cette housse d'ordinateur à 3,78€. C'est bien ça. Donc j'ai pris celle-ci puisque c'était la dernière. Donc je sais qu'ils font plusieurs modèles hein, chez Action. Là j'ai pris celle-ci, donc en soi ça ne me dérange pas parce que je suis fan du motif animalier. Mais je me dis que c'est vrai que ça ne pourrait pas aller avec toutes les tenues. Donc à voir si j'y retourne et puis qu'il y a les autres modèles. Mais pour le coup il n'y avait que celle-ci. Donc dedans vous avez une pochette. Alors, je ne sais pas si on va voir. Vous avez une pochette zippée. Je ne pourrais pas vous montrer. Voilà, une pochette zippée juste là. Vous avez une bandoulière. Donc, vous pouvez la porter au niveau de l'épaule. Ou sinon, bah, comme un petit sac à main, en fait. Hein. Mais sinon, je trouve ça sympa. Et puis, au prix de, comme je vous ai dit, 3,78€, je ne trouve pas ça excessif pour une housse d'ordinateur. Ensuite, j'ai trouvé un legging en simili-cuir comme ceci. Et franchement, il est super. Je l'ai payé 3,99€ et il est très épais. Moi, j'ai beaucoup de leggings en simili-cuir et j'ai pas d'épais comme ça. Là, on dirait limite un pantalon en simili-cuir. Il est vraiment très très bien. Donc ça, c'est très élastique. Hein. Là il brille beaucoup parce qu'il y a la rain light derrière, mais sinon franchement porté il est vraiment très joli et pour le prix rien à dire. Dans les promos de la semaine il y avait aussi, vous savez c'est les roll-on, les petites pierres comme ça, les pierres de quartz si je le dis bien, donc les petits rollers de massage, donc celui-ci était au prix de 3,33€. Donc bah testé parce que j'en avais pas, donc je me suis dit que c'était l'occasion de voir ce que ça pouvait donner. Ensuite j'ai repris parce que je les prends tout le temps, vous savez c'est les lingettes démaquillantes comme ceci. Avant elles étaient roses et maintenant elles sont vertes et franchement moi je me démaquille qu'avec ça maintenant. Ça démaquille très bien le mascara waterproof. Franchement c'est vraiment un très bon investissement pour le prix 79 centimes, en sachant qu'on peut les mettre à la machine à laver, ça redevient comme neuf. Ou alors moi je les lave avec un savon neutre ou savon de Marseille, peu importe, mais franchement 79 centimes, moi je sais que j'en ai plusieurs, donc quand elles sont vraiment usées je les renouvelle, mais sinon ça c'est super. Si vous avez jamais testé, allez-y, testez parce que vous n'allez pas être déçus, vraiment. Ensuite, on passe. J'ai trouvé un contour des lèvres donc à 99 centimes. Donc, comme ceci, je les ai ouverts dans des packagings pour vous montrer. Voilà, donc celle-ci, c'est quoi comme couleur? C'est la crème brûlée. Donc, c'est dans les petits packagings comme ceci. Et donc, il se présente comme ceci, vous savez. Et puis, c'est les petites mines qu'on vient sortir. Donc je vais faire un petit swatch juste en dessous. Hop. Voilà, je sais pas si on va très bien voir, voilà, juste ici. Et puis j'ai pris juste là, vous avez le lipstick mat en crème brûlée.
que j'ai pris le jour d'après d'ailleurs. Donc j'ai pris celui-ci et je l'ai pris aussi en couleur rosée. Donc pareil, ça va avec, avec le lipstick mat, hein, le rosé. Je vais vous faire le swatch ici. Voilà, vous voyez, c'est vraiment, vous faites le contour et puis après, bah, vous remplissez avec, avec les lipsticks. Donc celui-ci, 99 centimes, comme je vous ai dit. Et puis, c'est tout. Après, des masques jetables, voilà, pas grand-chose d'intéressant sur le reste. Pour le reste des articles, je n'ai plus le ticket de caisse puisque c'est la deuxième fois que j'y étais et je ne retrouve pas le ticket. Mais toujours dans les promos de la semaine, il y avait ce petit vernis. Donc moi, j'ai pris couleur taupe. Il y avait trois couleurs différentes et il me semble qu'elles étaient à... De toute façon, c'est sûr que c'était à moins de 1 euro. Je ne saurais pas dire si c'était 79 centimes ou non. Mais voilà, la couleur est très sympa. Moi, je n'avais plus cette couleur. Donc, j'ai renouvelé. Toujours dans les promos de la semaine, il y avait ce gel et gommage visage 2 en 1, comme ceci. Je ne l'ai jamais testé, je ne l'ai jamais vu dans les actions. Enfin, ça faisait un petit moment que je n'y avais pas été, c'est peut-être pour ça. Mais bah, écoutez, je vais tester et puis je vous ferai un petit retour si, si c'est positif. Mais ouais, je ne sais même pas ce qu'ils sont. Il est noir, ça se présente... ouais, il est noir. Non, ça va, ça a une odeur assez agréable. Donc celui-ci, on verra bien ce que ça donne. J'ai aussi pris celui-ci, une mousse nettoyante. Donc pareil, ça, j'avais jamais vu dans les actions auparavant. Donc je ne sais pas si c'est des nouveautés ou non. Mais donc ça, c'était, je crois, 2,99 €. De toute façon, c'est jamais cher. Hein, chez Action, on le sait. J'ai aussi pris cette petite paire de boucles d'oreilles. Je l'ai trouvée très sympa. Donc vous avez en haut, au niveau de la tâche, donc c'est léopard. Et puis après, ça part comme ceci. Donc il y avait différents modèles, donc à 99 centimes. Elles sont assez originales, je trouve. J'ai pris aussi, que je reprends tout le temps, parce que ça, je le prends à chaque fois. C'est le fix make-up, pardon. On va pas voir grand-chose. Voilà. Voilà, comme ceci. Je le prends tout le temps parce que franchement, pour le prix auquel il est, moi, je sais que j'en mets tous les jours. Ça ne me fait pas du tout de réaction allergique. Après, j'ai pas une peau très, très sensible non plus. Mais je veux dire, voilà, ça ne me fait pas de boutons, tout ça. Et ça tient vraiment le make-up. Franchement, ce produit est pas mal aussi. Si vous n'avez jamais testé, bah écoutez, testez et puis mettez-moi en commentaire si vous connaissez ou non. Ensuite, bah, action, hein, les petits cotons, hein, parce que bah, je crois que c'est 79 centimes si je ne me trompe pas. Donc à chaque fois que je vais à Action, je reprends les petits cotons. J'ai repris aussi le crayon à sourcils à 99 centimes. Moi, je fais toujours mes sourcils avec ce crayon-là. Donc, voilà. J'ai toujours fait avec ce crayon-là, qui est très, très bien. Vous avez le taille crayon au bout qui est fourni. Vous avez différentes teintes. Moi, là, je suis en brown, mais je sais qu'il y a des teintes plus claires. Et franchement, il tient très bien. Par-dessus, je mets du fixateur qui vient aussi de chez Action. Et ça ne bouge pas de la journée. Voilà, je suis très contente de ces produits. Donc, à chaque fois que j'y retourne, je les reprends. Et puis, pour terminer, donc, je voulais vous montrer les lipsticks. Donc, j'ai en teinte Shy. Donc, c'est un rosé, comme ceci. Je vous ai fait les swatchs hein, de toute façon. Et puis, je l'ai pris en version crème brûlée. Donc, vous avez ici la version crème brûlée comme ceci. Et puis ici, vous voyez, c'est un peu plus rosé. La teinte Shy. Et franchement, je l'ai porté toute la journée aujourd'hui. Il n'a pas bougé. J'ai bu, mangé. Ça n'a pas du tout bougé. Il n'assèche pas les lèvres. Je trouve que c'est des très bons produits. Donc, je sais qu'il y avait deux autres couleurs. Je crois qu'il y avait rouge et bordeaux. Et je pense aller y refaire un petit tour pour me les procurer. Donc, voilà. C'en est tout pour ma vidéo Action. J'espère que ça vous aura plu. Je voulais juste vous dire, au niveau du sèche-cheveux, il faut savoir qu'il y avait aussi le fer à boucler.
Et il y avait aussi l'espèce d'appareil qui vous fait comme des petites waves sur les cheveux. Et c'était encore moins cher. Je crois que le fer à boucler était à 8,99 et l'autre 9,99 dans ces prix-là, mais moins de 10 euros, c'est sûr. Et je trouve que c'est quand même des bons plans parce que quand on voit ce genre de produit, il y a des prix des fois exorbitants. Hein. Celle-ci fait très bien l'affaire, 9,99 €, c'est parfait. Donc voilà, c'en est tout pour moi. J'espère que donc la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit like si ça vous a plu, ça m'encourage toujours. Et à me laisser un petit commentaire si vous avez déjà testé des produits Action que je vous ai montrés ou si vous m'en conseillez d'autres. Hein. Moi, j'aime échanger. C'est le but un petit peu de la chaîne, hein, les bons plans. Voilà, c'est pour moi les bons plans, que ce soit niveau vêtements, make-up, parce que le make-up à Action, j'en achète vraiment beaucoup. Je sais que je mets aussi la base de teint qui vient de chez eux. Pareil, j'ai rien à redire, elle est très bien. C'est le petit flacon, vous savez, c'est blanc. En tant que rouge à lèvres, j'en ai pas mal aussi. Et vraiment, je trouve que leur make-up, pour le prix, ils sont vraiment très sympas. Donc voilà, et ben je vous dis à la prochaine vidéo et je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. Ciao, ciao!